Et coucou! Alors, première chose, je veux vous montrer. Non, ça c'est vieux. Enfin, vieux. C'est pas si vieux que ça. Voilà, j'ai reçu enfin mes outils. Ils sont super. Donc, j'ai envie de les tester dans quelques minutes. Donc, ils sont super solides. Là, il y a un peu de caoutchouc pour pas se faire mal, mais sinon, dessous, c'est de la ferraille. Hein. Voilà. Ça pèse, hein, donc voilà. Ça vaut le coup de les prendre sans frais de port parce que ça pèse. Ça, c'est une chose. On va tester ça. Bon, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir pour tout de suite, mais je vous le montre vite fait. Un moule pour faire des lettres. Donc, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Et après, j'ai reçu quelques dalles de fleurs. Alors, j'ai pris peu de fleurs parce que, comme je vous expliquais, beaucoup de fleurs. Alors, soit vous faites des fleurs qui ressemblent à rien de particulier, rien de connu. Soit vous faites des fleurs qui ressemblent à quelque chose, mais vous pouvez vraiment les faire avec différentes dalles. Là, par exemple, il n'y a que trois pétales, mais je suis sûre que je peux faire une rose identique à celle-là avec ça et ça, hein. Je me fais pas de soucis. Donc, j'ai pris surtout beaucoup de feuillage. Voilà. J'aime surtout ça, là. J'aime les feuilles comme ça qui sont très ajourées. J'adore ça. Voilà, j'ai pris surtout des feuillages. Et encore des feuillages. Ça, c'est pour faire du. Alors, je ne sais jamais. C'est le gui qui est blanc, hein? Ouais, je crois que c'est. Ça, c'est pour faire un peu style du gui. Dans mes mélanges de Noël. Voilà. Et j'ai pris que deux dalles de fleurs. Celui-là, je l'aime bien parce que il a des trous dans les feuilles. Donc, ça fait. Dans la feuille. Il y a des petits trous, donc ça fait un peu original, ça fait style, il y a un petit vermisseau qui est venu manger une feuille. J'aime bien. Voilà, au cas où, je vous donnerai les liens. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup plus de dailles de fleurs que ce que je peux utiliser. Hein. Là, faut vraiment que j'arrête. C'est bon, j'en ai assez acheté. Je vais enlever tout ça. Et je vais vous commencer. Et ça, c'est ce que j'ai pris. Totalement par erreur, je les ai pris en double, donc ça y est, je les ai déjà échangés avec quelqu'un, comme ça, c'est pas gaspillé. Je range ça, je fais un petit peu de place sur mon bureau parce que je voudrais bien avoir quand même 30 cm de place, ça serait pas du luxe. Qu'est-ce que je vais vous faire? J'ai envie de vous faire peut-être des poinsettias. Alors, pour faire les poinsettias, hop, mon Dieu, il y a des dalles qui courent de partout. Donc, ça, c'est le gui. Oui, le gui. Pour faire les poinsettias, il faut des fleurs, si possible, pointues. Il faut des pistils. Alors, on va voir lesquels on utilise. Voilà, quand je vous avais dit que celui-là, je l'avais pris en double. Non, c'est pas celui-là. Bon, il y en a un que j'ai pris en double. Je vais y arriver ou pas? Bon, on trouvera. Voilà, ce style-là. Ça fait des poinsettias. Alors, j'ai ça. Il en manque un. Là, faut que je le cherche. Mon Dieu, la panique sur ce bureau. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Voilà. Ça pourrait faire des poinsettias. Éventuellement. Donc, si vous avez quoi que ce soit de pointu. Ça, c'est mes pistils. Il faut que je les garde pas loin. Je risque d'en avoir besoin. Ça, c'est pas assez pointu pour faire du poinsettia. Ça fait des très belles roses, mais ça fait pas des poinsettias. Au secours! Au secours! Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait faire des poinsettias? Ça fait pas. Ça, j'ai retrouvé les sachets, je vais pouvoir ranger les roses qui sont perdues là-bas. Ça, je sais pas si je les prends d'où, tiens, du coup. Qu'est-ce que j'ai? Ça, éventuellement, ça pourrait faire du poinsettia. Voilà. Ça, quoique ça fait plus des tulipes parce qu'il y a le creux. Non, mais je pense que je vais utiliser ceux-là. Ils vont être petits, mes poinsettias, du coup. Ah, mais regardez-moi un peu ce foutoir, il y en a de partout. Faut vraiment que je me fasse un classeur, je pense. Peut-être un classeur rien que pour les fleurs comme ça. Par contre, ça, c'est pas du tout le bon feuillage. Alors, j'en ai d'autres, des poinsettias.
Je ne sais pas s'ils sont rangés à leur place. Eh bien, évidemment, non. Ils ne sont pas rangés à leur place. Donc, je vais aller chercher mes autres poinsettias et je vous montre tout ça. À tout de suite dans une autre vidéo. Bye bye!